Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le ministre de l'Énergie, Donald Jean-Claude Ousso, a été une nouvelle fois porté à la tête de l'autorité du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, AGAO, pour un mandat supplémentaire d'un an. Il a été désigné lors de la réunion ordinaire des ministres de l'Énergie, membres de l'autorité du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, qui se tient depuis le 10 mai 2022 à Abuja, au Nigeria. Il s'agit d'une nouvelle marque de confiance que les pays membres de cette organisation ont exprimée à l'endroit du ministre Donald Jean-Claude Ousso en particulier et du Bénin en général. Une réunion bilatérale entre le gouvernement et le Millennium Challenge Corporation s'est tenue hier au ministère de l'Économie et des Finances. Les échanges avec la vice-présidente adjointe principale du MCC, Ki Kim, ont porté sur l'intégration économique régionale et la collaboration transfrontalière. La séance a été sanctionnée par la signature de l'aide mémoire sur le compact régional. L'ONG Ayedou boucle la deuxième phase du projet d'éducation environnementale dans les écoles de la commune de Ouida. Les membres de l'organisation ont sensibilisé ce vendredi les apprenants de l'école primaire public de Hoke Abede sur la gestion des déchets. Comme lors de la première séance hier jeudi, une vingtaine de plants d'arbres ont été mis en terre. Cette activité, il faut le rappeler, s'inscrit dans le cadre de la journée mensuelle de l'environnement dont l'objectif est de le rendre sain. Et pour finir, en Guinée, le Conseil national de transition CNT fixe à 3 ans la durée de la transition avant le retour des civils au pouvoir. Ce délai de 36 mois adopté en séance plénière par les militaires au pouvoir est revu légèrement à la baisse par rapport à l'annonce faite le 30 avril 2022 par le colonel Mamadi Doumbouya qui avait opté pour une transition de 39 mois. Fin de ce flash d'information. Merci d'avoir suivi. Restez First Afrique TV, le vrai visage de l'information.